Sunna, 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 Annabi Muhammad sunna, wimba matnaga sunna, wimba galanaga sunna, yele dundoke sunna, 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 Annabi Muhammad sunna, wimba matnaga sunna, wimba galanaga sunna, yele dundoke sunna, sunna, Annabi fula. Infiniment, nous louons Allah, Seigneur de l'univers, celui qui nous a rassemblés dans cette salle. Que la paix d'Allah, de même que sa miséricorde, parvienne à notre prophète, le bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions l'assistance qui a répondu donc à l'invitation, malgré les calendriers très chargés. Nous sommes déjà talonnés par les temps, si bien que nous allons illico presque rentrer en même temps dans l'ordre du jour, comme l'a dit le président. Premièrement, nous allons faire la présentation des rapports d'activité morale et financière. En deuxième point, lecture, amendement et adoption des statuts et règlements intérieurs. Troisièmement, approbation des nouveaux adhérents à l'association. Quatre, étude des cas d'exclusion de M. Jobon Ousmane. Cinq, renouvellement des membres des organes. CA et CC, c'est-à-dire comité et conseil de la syndicat d'administration et le commissariat aux comptes. Et en 6, c'est divers. Voilà d'une manière amassée l'ordre du jour de cette assise. Que l'Éternel Tout-Puissant vous assiste tout au long de cette assemblée. Merci beaucoup. Merci. On a soin, il va détailler tout ce qui se passe. Monsieur le Président du Président, honorables invités, chers congressistes, merci de vous avoir donné la parole pour la présentation des rapports, notamment un rapport moral et financier. Pourquoi est-ce que nous avons dit ça? Parce que l'animateur, dans son mot imprévisible, n'a pas manqué de souligner que nous voulons vraiment, à travers cette activité, sortir d'une crise. Ça veut dire qu'actuellement, il y a une crise et que depuis un certain temps, et ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons dû donc organiser, au cours de la même année, deux assemblées générales extraordinaires, la toute dernière datant de 6 mois. Pour ceux qui étaient là, à la dernière assemblée générale, vous aurez pu quand même remarquer que nous n'avons pas inscrit à l'ordre du jour la présentation du rapport, puisque ne sachant pas quoi dire exactement. L'association qui a été gérée de façon unilatéralement par M. Jobon Ousmane. Nous avons quand même été témoins populaires de cette activité. Voilà pourquoi nous avons voulu présenter à notre manière certaines grandes activités, des activités par que nous avons vécu aussi ensemble avec lui, tout en vous priant par avance de nous pardonner pour les détails concernant ce genre de projet. Je crois que depuis sa création, le 30 mars 2016, l'association Action d'aide sociale pour le développement, ASD, s'est engagée à améliorer les conditions de vie des populations suivant notre domaine d'activité, d'intervention, et mettant donc l'accent sur l'éducation, l'action sociale, socio-humanitaire, l'accès à l'eau potable. Ce rapport moral d'activité vise à présenter les principales réalisations et actions entreprises sur toutes les familles du territoire national
par notre association depuis sa création jusqu'à nos jours. Ce rapport rappellera les domaines d'intervention de l'association, à savoir l'éducation, la santé, l'action sociale et le domaine religieux, mené pour l'épanouissement de la population, mais aussi et surtout pour son bien-être et pour le développement du pays. L'objectif est d'amener les couches vulnérables à retrouver une certaine stabilité dans la société, car l'association, dans sa vision, souhaite à travers ce projet permettre aux jeunes de poursuivre leurs études et aux femmes de pouvoir se prendre en charge afin d'assurer l'éducation de leurs enfants. Différents aspects mettront en évidence les projets réalisés par l'association au cours du septennat. Il s'agit de la réalisation des forages de puits, de la réalisation des infrastructures socio-éducatives, des appuis aux actions de développement de base, notamment l'assistance aux femmes, aux jeunes élèves, les actions sociales telles que les assistances dans le mois de Ramadan et dans le mois du Tabaski aux musulmans. De la construction, ouais, je crois que nous avons déjà parlé d'infrastructures socio-éducatives, autant pour moi, et d'autres appuis techniques pour la population congolaise. Je crois que de tout ce qui précède, nous allons dans un premier temps noter les quelques activités réalisées que nous jugeons de majeures. Et nous avons su bien le dire dans notre mot intuitif qu'il y aura peut-être certaines activités qui vont nous échapper. Donc c'est pourquoi nous sommes là. La réalisation des activités majeures depuis la création de l'association. Avant toute chose, permettez-nous de rappeler le passage que l'ONG Action des Sociales de Développement ASD a été créé suite à une tumultuite, à un grand malentendu, opposant les membres fondateurs de l'ONG Association pour le Saint-Laurent ASC aux futurs membres de l'ONG ASD, actuel membre fondateur de l'ASD. De ce fait, certains projets réalisés par les membres de l'ASD dans l'ASC ont été transférés de commun accord après la création de l'ASD. Permettez-moi de citer quelques-uns. Je crois que l'ONG avant même sa création disposait, c'est-à-dire de ce patrimoine transféré de l'ONG ASC vers l'ASD. Parlant de ce patrimoine, nous allons donc faire la scission. Il y a parlé du matériel roulant, parler des terrains et nous parlerons également de la construction des infrastructures socio-éducatives. Abordant la question des terrains, je crois que l'ONG, depuis l'année 2010, l'ONG a reçu donc un patrimoine, un bien datant de 2010, acquis pendant qu'on était toujours dans l'association pour Saint-Courant, un terrain d'une contenance de 2 hectares, 4 lots. Si à Corvier, à Titeuil, pour la réalisation d'une université dans le futur. Donc ce bien a été transféré à l'ASD de commun accord après la création de l'ASD. Également, nous allons donc citer, dans le cadre des infrastructures socio-éducatives, le patrimoine transféré, il s'agit de 3 écoles, 3 grands centre complexe scolaire, dénommé d'Agrippement 1, d'Agrippement 2 et d'Agrippement 3. D'Agrippement 1, qui est installé à Agouet d'Alimé et qui avait pour premier directeur M. Bédéo Ismaël, succédé par M. Kibati Baba. D'Agrippement 2, qui était donc dirigé à l'époque par M. Nayo Sissimi, dont le directeur arabe était M. Sibabi Hamza. Et Dalitma 3, qui avait pour directeur M. Saïfou Abdallah, et dont le directeur arabe était le M. Maman Dinebou. Parlant du matériel roulant, en 2016, l'unique véhicule qui était en bon état, qui a été transféré, était la picope noire
Aïus, immatriculé 3704 AR, dans notre patrimoine, un véhicule Prado qui a été délaissé à la distribution d'un membre fondateur, M. Sidmour Sia Bafiro. En dehors de ce patrimoine transféré, de 2016 jusqu'à nos jours, l'ONG ASP a eu donc à construire des infrastructures socio-éducatives. Actuellement, nous avons à notre actif plus d'une vingtaine d'établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Parlant du matériel roulant, l'ONG ASD a acquis dans l'année 2016 une voiture pick-up Virus immatriculée 6575 AU qui est toujours à la disposition du président M. Yoko Ousmane. Parlons donc du social, l'ONG a au cours du septennat organisé 5 grandes activités, c'est-à-dire la distribution des livres pendant le mois de Ramadan aux musulmans. Donc, la première année, le coût total se révèle à 48 millions de francs CFA. Je crois que toutes les régions du Togo ont été touchées par ce partage. Et nous citons également la distribution des bœufs au cours de la fête de Tabaski aux musulmans. Toute cette activité, parce que tout était géré de façon unilatérale, et même le secrétaire général ne disposait pas d'informations sur des projets. C'est pourquoi nous n'avons pas de façon précise donné le nombre de projets que nous disposons, donné ou bien cité certains projets que nous avons eu à réaliser. Donc ça, ce sont des difficultés que le président gérait seul les choses à l'insu des autres membres du conseil d'administration. Et la mauvaise intention du premier responsable visant donc à détourner certains fonds de certains projets. Donc tels étaient quelques soins de nos problèmes qu'on a eu durant le septennat. Et les leçons qu'on a apprises par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, nous devons travailler de la manière la plus démocratique possible. C'est-à-dire que tous les membres du conseil d'administration doivent être au courant de tout ce qui se passe dans l'association, surtout avec nos partenaires de l'extérieur. Et je trouve que si cela est arrivé, c'est au moment de la confiance, on se faisait mutuellement confiance, on ne pensait pas que l'autre avait des arrières pensées. Donc, des solutions, c'est que malgré la confiance, il faut toujours ne pas exclure le contrôle pour ne pas encore arriver là. Donc, parler de la collaboration, avant nous avons commencé par nos partenaires de l'Arabie Saoudite. Donc, ils étaient donc des partenaires, des personnes physiques qui nous remettaient des projets pour réaliser. Donc, nous avons travaillé jusqu'en 2017 et le partenariat donc s'est arrêté. En 2019, dans la quête de nouveaux partenaires, nous avons donc eu l'agrément du ministère des Affaires étrangères du Kuwait. Cet agrément nous donnait donc l'autorisation de travailler avec les associations, les ONG installées sur le territoire kuwaitien. C'est ainsi que, en 2019, à la fin de l'année 2019, nous avons eu à signer une convention, un partenariat de réalisation de projets avec deux grandes organisation gouvernementale du Kuwait, à savoir l'ONG Cheikh Abdel Al-Amouri et l'ONG Al-Basol Al-Khairia. Avec l'ONG Cheikh Abdel Al-Amouri, durant une activité socio-éducative, a réalisé des forages, a réalisé des buts sur toute l'étendue du territoire. Veuillez, je demande donc à nos invités, à nos congressistes de nous pardonner pour ce rapport et pour notre introduction. Actualité oblige, donc on sera obligé de seulement de dire aux membres du conseil d'administration que ce sont les activités. Et parlant des perspectives à venir, nous prévoyons, Inch'Allah, puisque nous avons parlé de détournement de fonds et tout, ça a entraîné l'arrêt de tous les projets sur tout le territoire national. Et puisque les partenaires attendent des projets, et
n'avons pas, ne sommes donc pas en mesure de unir latéralement les projets. Donc, dans l'avenir, nous prévoyons renouer avec ces partenaires et pourquoi pas réaliser, essayer de pouvoir compenser cela en réalisant leurs projets et voir dans quelle mesure, au niveau du secrétariat, plus d'ailleurs, être actif et en collaboration avec la présidence, on puisse revenir avec eux et poursuivre les membres des biens communs ne pourra jamais servir plus de détermination dans cette lutte pour une sortie effective de la crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, pour la demande de tout le monde de fond. Avec une confiance. Bon, du moment que vous avez eu à comprendre ceci, quelles sont les mesures que vous avez prises pour que ce monsieur-là puisse rembourser les fonds? Parce que les fonds ne proviennent pas de vous, ça vient de l'extérieur. Et j'ai demandé qui est ce président, et on me fait comprendre qu'il n'est pas là. Est-ce s'il était là pour nous donner, comment ça s'est passé? Et il y a eu du tournement, quand est-ce qu'il va payer? Parce que l'argent ne vient pas de vous. Et frère, ça vient de l'extérieur. Merci. On ne dissèque pas le ventre du pauvre en public. Donc, Inch'Allah, nous avons dit dans notre rapport que nous allons passer par tous les moyens pour que justice soit faite. Et je crois que des mesures pour que ça ne se répète pas, c'est au niveau des tests. On a revu des choses et tout ça là, qui puissent nous permettre à tout moment de réagir, d'agir lorsque ça ne va pas. Merci beaucoup. Merci. Je viens de nous informer, vous êtes tous au courant, que cette assemblée extraordinaire a été organisée suite à une crise. Donc, on dit souvent que chat échaudé craint l'eau froide pour ne plus tomber dans les mêmes bêtises et dans la même crise. Les statuts ont été revus et les règlements intérieurs également ont été revus. Nous allons donc commencer par les statuts. Et nous n'allons pas parcouru tous les statuts. Nous allons juste nous contenter de réciter ou bien de citer quelques articles qui ont été modifiés. Voilà. Donc, parmi les articles qui ont été modifiés, figure l'article 2. Le siège de l'association est fixé à Abaye Dalimé, présidente de l'EPP dans le Hekma, numéro 1, nommé Togo, téléphone 92 20 34 28, boîte postale 24 BP 60 Lomé, email, etc. Un membre fondateur, toute personne physique ayant pris part à l'Assemblée générale constitutive, et dont le nom figure au procès verbal. Article 19. Est l'organe suprême de l'association. Elle regroupe tous ses membres et se réunit en session ordinaire une fois l'an sur convocation du conseil d'administration, au moins un mois à l'avance. Toutefois, elle peut se réunir en cas de nécessité sur demande des deux tiers des membres de l'association. Étant pour désigner les membres du commissariat aux comptes sur proposition du conseil d'administration, valider les demandes d'adhésion des membres. Article 21. Le conseil d'administration est l'organe de gestion et de suivi des décisions de l'Assemblée générale. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires de l'association. Il est chargé notamment de délibérer sur les rapports financiers et d'activité de la direction exécutive, recruter un directeur exécutif, établir son cahier de charges et le révoquer si nécessaire, recruter le directeur général des écoles, les chefs d'établissement scolaire et les directeurs des orphelinats ou tout autre centre d'éducation ou de formation de l'association.
Article 23. L'association est dirigée par un conseil d'administration de 9 membres élus en assemblée générale, au scrutin uninominal et à la majorité absolue des votants, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il est composé comme suit. Le président est le premier responsable de l'association. Il veille à la sauvegarde et à l'autonomie de celle-ci. Il est chargé de ordonner des dépenses et co-signer avec le trésorier général et ou le secrétaire général les chèques de l'association et les documents relatifs aux entrées ou sorties de fonds. Article 26, donc c'est le dernier article qui a été revu, Inch'Allah. L'Assemblée générale désigne pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois de commissaire aux comptes. Voilà d'une manière amassée et au statut de l'ASD. Nous allons actuellement, puisque l'Assemblée est toujours souveraine, demander si l'Assemblée consent à la validation. Donc, de ce texte qui a été élu, si oui, alors nous allons demander à cette Assemblée d'acclamer fort pour montrer qu'on est d'accord avec ce qui a été fait. Alors donc, nous allons seulement appeler les noms de ces personnes-là. Et si l'Assemblée approuve que ces personnes soient effectivement eh bien, membres, eh bien, par acclamation, comme vient de le faire, l'Assemblée va acclamer pour qu'on passe au vote sur l'Assemblée. Ceci dit, nous avons reçu les noms de 4 personnes, à savoir M. Kipouati Baba, deuxième M. Yerima Abdourazak, troisième Mme Djaniabo Kadaria, et puis quatrième M. Ouro Abouda Abdoumadi. Ouro Abouda Abdoumadi. Bien. Nous demandons à l'Assemblée, puisque l'Assemblée connaît déjà ces gens-là, si l'Assemblée approuve leur adhésion à l'association. Je ne crois pas. Je suis courant de désir. Selon le programme qui a été déposé devant le conseil à le président, le point 4 va aborder étude de cas d'exclusion de M. Diogo Ousmane. Alors, nous allons pour ce cas inviter le conseil d'administration à passer pour clarifier un certain nombre de points. Afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons continuer le travail. La solution, c'est suite à la demande du conseil d'administration à la réunion préparatoire du 27 janvier 2024, que le conseil d'administration, selon les dispositions statutaires, ont donc suggéré porter à la connaissance de l'Assemblée générale extraordinaire la radiation ou l'exclusion du sieur de Ousmane, eu égard à certains de ses comportements portants que le conseil d'administration a jugé portant à tête à la vie de l'association. Donc, de ce fait, nous avons donc adressé un courrier à l'Assemblée générale dont le contenu est donc le suivant. Le conseil d'administration, le 27 janvier 2024, le conseil d'administration de l'ONG Action des Sociales pour le Développement à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2024, objet demande d'exclusion de M. Diogo Ousmane. Conformément à l'article 16 des statuts citoyens,
pour tout, je cite, pour tout motif jugé grave, tout membre peut être exclu de l'association en assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents sur proposition du conseil d'administration. Toutefois, l'intéressé est invité à répondre au préalable des charges retenues contre lui. Fin de citation. En dépit de l'invitation de M. Yoko Ousmane aux réunions préparatoires des 20 et 27 janvier 2024, afin de répondre de ses actes et charges retenues contre lui, lesquelles réunions il a refusé de répondre, nous, membres du conseil d'administration de l'ONG Action des Sociales pour le Développement ASD, demandons à l'Assemblée générale extraordinaire l'exclusion de M. Yoko Ousmane de l'ONG pour faute extrêmement grave portant atteinte à la vie de l'association. En effet, M. Yoko Ousmane a posé des actes de marginalisation gravissimes et frauduleux conduisant l'ASD dans un état chaotique. Excusez-moi. Nous allons donc citer les chiffres d'accusation. M. Yoko Ousmane a procédé à la vente de deux hectares, 24 à 700 diars, appartenant à l'ONG située à Thierry-Michel-Torvé, à Titeuil. 2. Malgré les rappels à l'ordre du ministère de l'administration territoriale, M. Yoko Ousmane a refusé de respecter les tests de l'association à un moment, de façon illégale et unilatérale, M. Nati Kodjo, comme directeur exécutif, décision fantaisiste jamais prise par le conseil d'administration. 3. Il a aussi procédé à la tentative de soustraction frauduleuse du véhicule Aélus immatriculé TG7575AU appartenant à l'ONG. 4. Plus d'une dizaine d'établissements scolaires franco-arabes réalisés au nom de l'ASD sont frauduleusement mutés au nom de M. Yoko Ousmane et sont devenus ainsi sa propriété très privée. 5. Par ailleurs, il a détourné les fonds destinés à la réalisation d'une dizaine de projets entraînant l'arrêt brusque et immédiat des travaux. Suite à cela, les partenaires ont suspendu le financement des projets. 6. Il a également fait preuve d'abus de confiance par rapport à l'engagement vis-à-vis de l'association. 7. M. Yoko Ousmane a procédé au faux et usage du faux dans l'établissement des documents d'identification de certains biens de l'association ASD et autres au regard de ces comportements très dangereux pour l'ONG. Nous, les deux tiers des membres du conseil d'administration, demandons humblement à l'Assemblée générale l'exclusion pure et simple de M. Yoko Ousmane de la SD, selon les dispositions de l'article précité, article 16, ont signé les membres du conseil d'administration dont la liste est annexée à cette demande. Donc, il y a M. Abdelhassan Moudi, il y a Guéré Ismaël, M. Pamaï Ibrahim, M. Maman Kabouna Dunez, M. Tchadidri Fousseri, M. Narussi Simé et M. Irma Abdouna. Merci beaucoup. Oui. Il y a une main à l'air. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je demande pour dire moi-même. Parce que si vous avez une question, vous me posez une question. Voilà, par rapport à son intervention. Ok, allez-y. Je voulais poser une question. Est-ce que il y a une brève de cette des accusations, c'est que le secrétaire vient de dire. Non, pas une preuve de l'accusation, mais une preuve de la conversation. Voilà. Ah, des actes que l'on doit avoir. Merci. L'intervenant voulait savoir si vous avez des preuves sur lesquelles vous en soyez, vous affirmez. Merci beaucoup. Nous remercions M. Bodin.
fondateur de l'OLGI. Effectivement, nous avons pour tous ces cas cités, nous avons des preuves pour chaque cas. Et nous en avons même ici, là où nous sommes. Des écoles franco-arabes en sont occupées. Nous avons sous nos yeux ici une société à responsabilité limitée unipersonnelle, sans but. Donc l'an 2023 et le 2 novembre, par acte sous-sein privé, M. Djoko Ousmane, revendeur, demeurera à l'ONU, quartier CB à 4h30, tout ça, tout ça. Donc, il a créé une société à responsabilité limitée et personnelle. Maintenant, l'article 3 nous intéresse. La société prend la dénomination de groupe scolaire franco-arabe dans le mouvement et docteur Ovana salue. Ça vous va? En fait, d'habitement, nos établissements que nous avons construits portent le nom de d'habitement, de l'OV à Saint-Cassé. Maintenant, comme dans le domaine de l'association, une seule personne ne peut pas s'accaparer des biens, il faut maintenant créer une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Maintenant, il transférer ces biens-là dans la société pour que ça devienne sa propriété et que les gens puissent réussir. Satisfait, une troisième peu. Non, c'est bon. Si d'aventure il y a encore des gens qui parlent avec tout ce qui nous comporte, et je crois que deux questions en subsidiaire par rapport à ce point ont relevé davantage ce que ils ont qualifié de malversation. À cet effet, je voudrais prier le rapporteur de nous rafraîchir la mémoire pour nous dire ce que prévoit les statuts dans ce cas-là, afin que l'Assemblée puisse souverainement décider. Oui, chère assistance, et vous savez que le CA, en adressant cette lettre à l'Assemblée générale, s'est référé à l'article 16 des statuts. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'article 16 là stipule. C'est pourquoi le président me demande de vous faire écouter le contenu de l'article 16 des statuts. Article 16. Pour tout motif jugé grave, tout membre peut être exclu de l'association en assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents sur proposition du conseil d'administration. Toutefois, l'intéressé est invité à répondre au préalable des charges retenues contre lui. Voilà donc le contenu de l'article 16. Merci beaucoup. Ce que M. le rapporteur vient de donner comme lecture n'est pas une imagination de sa personne, encore moins de la mienne. Ce sont des textes sur lesquels ils ont eu à travailler. Et je crois que durant l'exercice de leur mandat, c'est que ça existait. Voilà qu'il y a eu des événements entre temps qui les ont conduits à vouloir exclure un membre de leur sein. Les faits ont été relatés et des preuves ont suivi. L'Assemblée étant souveraine, nous allons remettre la parole à l'Assemblée de se prononcer par rapport à ce cas d'exclusion de M. Djoko Ousmane. En clair, l'Assemblée va applaudir si elle est d'accord que M. Djoko Ousmane, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit exclu
il y aura acclamation. Mais s'il n'y a pas acclamation, ça veut dire que l'Assemblée n'est pas d'accord. L'exclusion de M. Dubois, on peut savoir si vous êtes d'accord ou pas. L'Assemblée a pris une fois. Nous passons maintenant au point 5, intitulé renouvellement des membres des organes. On dit des organes, c'est le conseil d'administration. Et le commissaire aux comptes. Extraordinaire, en cas de nécessité sur demande des deux tiers des membres de l'association. Elle est compétente pour désigner des membres du commissariat aux comptes sur proposition du conseil d'administration. Valider les demandes d'adhésion des membres. Voici donc les contenus de l'article 19. Merci beaucoup de l'avoir écouté. La démission de l'ancien conseil d'administration, le bureau, Badine, pour qu'on puisse passer à l'élection ou au renouvellement du nouveau bureau. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Parce qu'il ne peut pas avoir de capitaine dans un seul bateau. Ceci dit, nous allons humblement inviter le président du conseil d'administration et le vice-président, s'il vous plaît, le vice-président au nom de M. Abouda Nouredi, que j'appelle affectueusement mon imam, de prendre la parole et notifier à l'Assemblée générale qui est souveraine, qui est aujourd'hui l'organe suprême, la démission de son équipe. Monsieur Agouda, vous avez la parole. Assemblée, je vous remercie de vous la place. Je me nomme Agouda Hassan Moudou, vice-président de l'association Action des Sociales pour le Développement et vice-président des CA. Je mets des missions au nom de mon CA. Aujourd'hui, j'ai des missions au nom de mon CA. Je vous remercie. Que Dieu nous choisisse ce qui peut guider notre CA en bon déroulement. Je vous remercie. Bonsoir. Votre démission, à partir donc de l'acclamation, vous n'êtes plus vice-président. Donc vous êtes devenu ex-vice-président. Merci. Nous allons continuer le travail, mais en rappelant que il y a des cadeaux pour passer à l'élection de ce bureau-là. Donc, soit par vote, soit par consensus, et ainsi de suite, il y a les esprits de pouvoir. Mais j'espère que un nouveau conseil d'administration a déjà vu le jour par consensus, puisque ce sont des membres donc, qui se connaissent. Et ils pensent qu'avec X, Y, Z, ça peut faire le travail. Donc ils nous ont allégé le travail d'aujourd'hui pour nous proposer ici un nouveau conseil d'administration. Nous allons donner lecture de ce bureau-là, quitte à l'Assemblée générale, ne soit d'approuver, toujours par acclamation, ou de rejeter s'il y a à rejeter. Ceci dit, nous allons demander encore à notre brave rapporteur.
directeur général, toujours avec une voix percutante, et elle souffle sans fin pour donner la liste du nouveau conseil d'administration. Merci beaucoup. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre assemblée générale. À présent, comme l'a dit le président du président, nous allons procéder donc à la désignation ou bien à la lecture plutôt des membres qui composent le Sénat. Et nous allons les appeler tous afin qu'ils puissent acclamer une seule fois ou à chaque membre en acclame. Qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? On les appelle tous, après on acclame une seule fois. Bon, qu'est-ce que pensez-vous? Qu'est-ce que nous allons faire à ce propos? Quel est votre point de vue? On va les inviter tous et vous allez les acclamer une seule fois. Ou bien à chaque personne, vous allez acclamer. On aura mal à la foule. Monsieur Tchadjedré Fousséni, on l'invite ici de venir au moins se positionner ici. Et le reste de ses membres viendront donc l'accompagner. Le deuxième, le fils de Roi Ismaïl, Mashallah. Le secrétaire général, M. Yerima Abounafin. Le secrétaire général adjoint, M. Aouna Mama Junaid. M. Abouda Hassan Nouridine, Mashallah. Le trésorier général adjoint, Monsieur Nayo Sessim. Le chargé du patrimoine, Monsieur Bamaï Ibrahim. Le chargé à l'organisation et à la communication, Monsieur Mohamed Ali Kassou. À présent, nous allons continuer toujours avec les commissaires aux comptes. Ils sont au nombre de deux, dont le premier au nom de M. Yerima Amdourazak. Et enfin le deuxième, Ouro Abouda Abdulmajid. Au Sénat, approchez-vous un peu, c'est bon. Sunna andabi yaradaga baya sunna sunna wemba matnaga sunna wemba na sunna sunna yele dunake sunna 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 andabi muhammad sunna wemba matnaga sunna When Bagala Nagasuna, Yeledu Noke Sunna, When Bamat Nagasuna, When Bana Suna Sunna, Yeledu Noke Sunna, Yeah.
Sont d'être en anévida sunna que la gadini dede. Il est de noke sunna. Il vous sent, il fond de vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته honorables invités chers membres de l'ASD mesdames et messieurs. L'Assemblée générale extraordinaire de ce 3 février de l'association Action d'aide sociale pour le développement ASD a pensé à notre modeste personne pour conduire la destinée de notre chère association afin que les buts et objectifs qu'elle s'est assignés soient réalisés dans l'intérêt général de ses membres et non dans l'intérêt d'un seul individu qui veut en faire sa propriété privée. Nous avons été choisis non pas parce que nous voulons être président, telle n'est pas notre prétention, mais c'est une volonté divine qui s'est manifestée, puis une décision et volonté des membres de l'Assemblée générale qui a prévalu. C'est une lourde responsabilité qui nous a été confiée. Nous en sommes conscients. Nous ferons de notre possible pour respecter les textes de notre association, pour réorganiser la structure, pour servir la population bénéficiaire de nos actions et pour accompagner la politique de développement socio-culturel et éducatif prônée par les autorités de notre pays. L'association Action d'aide sociale pour le développement, ASD, vient d'ouvrir une nouvelle page de son existence. Une existence éprouvée par une calamité humaine qui a failli la conduire dans un désastre par l'action égoïste d'un seul individu. Elle est sortie d'une longue crise grâce à l'intervention du ministère de l'administration territoriale qui a ordonné impérativement le retour au texte scrupuleux de nos statuts et a sommé M. Diop Ousmane à organiser une assemblée générale. Ce qui a permis la tenue de l'AG du 22 juillet 2023. Mais 6 mois après cette dernière AG, les membres sont contraints de reconvoquer une autre AG extraordinaire en appliquant pour une application de l'article 19 des statuts pour sauver cette association prise en otage par M. de Ousmane. Ont été menacés d'emprisonnement par M. de Ousmane. Un autre a été contraint d'abandonner sa propre maison pour la sécurité de sa famille. Un autre encore a vu saccager la patente de sa femme par le même individu. Certains ont été accusés injustement par le même type, des accusations fabriquées de toutes pièces dans le but d'incriminer les membres. Tant de menaces et d'insécurité qui planent sur les membres de l'association ASD. C'est le lieu de prendre à témoin la communauté togolaise et d'informer les autorités sécuritaires de notre pays de cette situation inquiétante et traumatisante qui traverse les membres ou que traversent les membres de l'ASD.
l'association ASD a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations par un développement humain durable et participatif, comme le disent nos statuts à l'article 4. Elle a pour objectif la promotion de la paix sociale à travers l'interculturalité, le développement de l'esprit du vivre ensemble et de la compréhension mutuelle pour un développement harmonieux du pays. La culture de l'esprit de fraternité, de tolérance, de solidarité et de concorde entre les membres et les populations. L'initiative privée des jeunes démunis, l'assistance aux populations sinistrées, l'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations démunies, la promotion de la scolarisation des jeunes, surtout celle des enfants vulnérables. Fin de citation de l'article 5 des statuts. Chers députés, chers membres, vu l'ampleur des dégâts orchestrés par M. de Bosman, un peu soulevés par les participants qui, pendant plus de 7 ans, a géré unilatéralement l'association. Devant cette situation dramatique, catastrophique et chaotique, portant atteinte à la vie de l'association, nous, membres de l'association, avons l'obligation d'intervenir pour arrêter l'hémorragie. Et c'est l'objectif de cette session extraordinaire de l'Assemblée générale. Le nouveau conseil d'administration est à ce jour purifié et comporte des personnes dynamiques, soucieuses de servir l'intérêt général, de promouvoir les activités de développement dans la crainte de Dieu et dans le respect de Dieu. Il se mettra au travail et aura besoin de votre concours, de votre collaboration, de vos expertises, de vos expériences pour la reconstruction, la pérennisation et le développement des actions humanitaires et sociales afin d'apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice national. Nous sommes des humains et aucune œuvre humaine n'est parfaite dans ce monde. À cet effet, nous sommes ouverts pour recevoir vos apports et suggestions au cours de notre mandat pour le bien de ASD. Nous demandons à Allah de veiller sur nous, de nous faire don de sa sagesse, de nous illuminer davantage, de protéger notre chère association et ses membres, de bénir toutes les bonnes volontés, les partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent l'ASD pour l'atteinte de ces objectifs. Je vous remercie. Cher journaliste, c'est un sentiment de satisfaction ce matin, parce qu'aujourd'hui, au cours de cet AG, il y a eu de grandes réformes par rapport aux dispositions statutaires. Les textes ont été revus, le règlement intérieur a été adopté, donc c'est une grande satisfaction. Une satisfaction également parce que il y a eu une exclusion par rapport à un membre. Et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, la structure a des soucis, a des problèmes liés à sa gestion. Depuis 2023, nous avons été accompagnés par le ministère de l'administration territoriale qui nous a incité à l'organisation d'une assemblée générale et du test. C'est ce qui fut fait et c'était le 22 juillet 2023. Nous avons élu une nouvelle équipe pour conduire les activités. Mais 6 mois après, nous nous rendons compte que le premier responsable, qui était M. Diogo Ousmane, ne respecte pas les textes. Mis à part cela,
il a posé des actes de malversation gravissimes, extrêmement alarmantes, et qui font que nous ne pouvons pas nous taire. Ces actes qui peuvent conduire la structure à un désastre, fait que nous sommes obligés d'organiser une assemblée générale, n'est-ce pas, pour revoir l'organisation de notre structure. Donc ces actes de malversation qui conduisent la structure ou qui portent atteinte à la vie de la structure, nous ne pouvons pas tolérer cela. Donc c'est dans cette dynamique que l'AG a été organisée, et aujourd'hui l'AG a décidé de la radiation de M. Diogo Ousmane pour que les activités de l'association soient menées dans l'intérêt général de tous les membres, dans l'intérêt général de toute la population togolaise. Et c'est dans cette dynamique que nous voulons travailler dorénavant dans un concert de convivialité, de solidarité, pour apporter, n'est-ce pas, notre petite pierre de construction à l'édifice national. Nous pensons, avec les nouvelles dispositions, le règlement intérieur que nous avons adopté, qui a mis toutes les dispositions, qui a mis en fait des garde-fous, nous pensons que nous serons à la fin de la crise. Parce que toutes les dispositions, là, il n'y en avait pas ça. Mais avec ces nouveaux tests revus et adoptés, nous allons respecter scrupuleusement ces textes-là et faire de sorte que les activités soient menées dans l'ordre ou dans le respect, n'est-ce pas, de ces tests. Oui, l'association a été créée le 30 mars 2016 et sa mission, c'est mener des activités d'ordre social, humanitaire, aider la population, accompagner les autorités togolaises dans le développement socio-économique, etc. Donc, parmi nos missions, nous avons la construction, n'est-ce pas, des établissements scolaires. Nous avons d'ailleurs des réalisations sur toute l'étendue du territoire, des écoles franco-arabes, nous avons aussi des centres, etc. Donc, nous participons, en tout cas, nous menons des activités sociales pour pouvoir satisfaire un peu les activités, disons, les besoins de nous.